Bonjour tout le monde, ici Caribou Canada qui vous parle. J'espère que vous allez bien parce que moi je vais super bien. Allez, pour la première fois sur la chaîne du Caribou Canadien, le jeu Dead Space 2, live sur la chaîne du Caribou Canadien. Oh yeah! Achou. Xbox 360. Electronic Arts. Bienvenue Nicole Brennan. Bon, à l'attaque. Electronic Arts présente. Dead Space 2. Isaac, tu m'entends? Réponds, Isaac. Oh, pardonne-moi. M'en veux pas, Isaac. C'est à cause du décalage horaire. Je te rappelle. Bon. Et comment ça va? Bien. C'était vrai, Isaac. L'Ishimura est extraordinaire. J'ai beaucoup de chance de servir à bord. Ah, profites-en. Il prévoit de le remplacer pour l'année Isaac, prochaine. Merci. Pourquoi? Pour m'avoir tant soutenu. GG pour le nouveau caribou dans la tribu. Oh yeah. Merci Tobo. Yeah. 6 mois pour que tu vives ton rêve. Je crois qu'on va être hors de portée du relais. Un nouveau caribou dans la tribu. Un nouveau caribou dans la tribu. Vous vous êtes égaré un petit moment, monsieur Clark, n'est-ce pas? Je crois que vous me parliez de vos cauchemars récurrents à propos de votre petite amie. Elle s'appelait... Nicole. Je ne voulais pas finir comme ça. J'aurais tellement aimé te revoir. Juste une fois. Je t'ai... On dirait qu'on voit terriblement bien pour une 360, hein? Ouais, ouais, c'est ça. Nicole Brennan. Officier médical en chef servant à bord d'un vaisseau brise-surface. L'Ishimura. L'USG Ishimura, oui. De la mission de forage secrète des J-7. Apparemment, les communications ont lâché juste après son arrivée. Et vous étiez avec l'équipe de secours. Vous vous êtes porté volontaire, c'est bien ça? Qu'avez-vous découvert à bord du vaisseau, Isaac? Ils l'ont trouvé. Qu'est-ce qu'il y avait dans le vaisseau, Isaac? Le monolithe! Vous avez été en contact avec ce monolithe. À vous. Il vous a fait voir des choses. Des c'est choses bien fait. Désagréables. Il m'a parlé. Et qu'a-t-il dit, Isaac? Que vous a-t-il dit, Isaac? Isaac! Isaac? Isaac, vous m'entendez?
Dana, j'ai trouvé Isaac. Il est là, avec moi. Bien joué. Sors-le de là, mène-toi le cul. Bon. Ok. Doudou, c'est ça. Ok, je vous enlève cette camisole. Où on est? On est... Vous devez être un peu groggy, je sais. Je peux tout vous expliquer, mais il faudra me faire confiance. Écoutez, vous courez un terrible... Excuse-moi, mort déjà. J'avais pas le bamboutin quand je courais. So do you wanna... Et si vous me disiez maintenant ce que vous avez vu... Allez, Strauss, je veux vous venir en aide. C'était noir. Très sombre, avec du rouge qui brillait. Des symboles qui me parlaient. Et qu'est-ce que ces symboles cherchaient donc à vous dire? Ils disaient des choses étranges, ou quoi? C'était qu'un fragment. Moi, mais il m'a retourné le cerveau, il m'a foutu la merde dans ma tête. J'arrive plus à me concentrer. Je peux plus, je me rappelle plus tel. Pourquoi je peux pas? Les symboles, Strauss! Que vous ont dit les symboles? Ils ont dit que c'était pas ma faute. Ils sont pas morts à cause de moi. Aucun de mes enfants. Venez. Patient 4, je me souviens bien de vous. Steinman a dit que les sujets clés doivent tous être éliminés. Pas mal, ouais. Je crois. Écoutez-moi. Et à quoi bon? Écoutez-moi. C'est le même personnage principal, ouais. On peut s'en sortir tous les deux. Vite, enlevez-moi cette camisole. Personne ne sort d'ici vivant. Personne. Arrêtez.
Il n'y a aucune issue à ce que j'ai fait. On se calme, d'accord? Ressaisissez-vous. Boric sont rouges. Bien rouge. J'ai un kit de soins et une torche dans ce casier. Vous avez qu'à les prendre. Allez-y. Prenez. J'en ai plus besoin maintenant. Tabarnak! Ça a ouvert la gorge tout seul. Clark! Isaac Clark, c'est bien vous? Qui êtes-vous? Je m'appelle Dana. Je suis là pour vous sauver. Hein? Que se passe-t-il? Vous souffrez d'une forme unique de démence, Isaac. Vous l'avez contracté sur Régis 7. Comment vous savez? Qui vous dit tout ça? La maladie va vous tuer. Si vous pouvez venir, je peux vous soigner et vous protéger. Pourquoi vous faire confiance? Ce n'est pas moi qui vous tire dessus. Merde. Suivez la voie que j'indique. Il y a un peu me donner au moins du stuff pour remplir ma vie au complet. Non! Je viens de tester les boutons, je m'endors au nouveau. Ah, c'est même si on fait ça dans le 1, mais ça... Ah, ok. Faut nous dire où aller. On pouvait faire ça, je pense, dans le 1 aussi, mais... Je le faisais pas bien. Je me rappelais plus comment le faire. Procédure service 14-18. Nous nous sommes récemment rendu compte que les bâtonnets glacés étaient faits depuis un an sous la forme du monolithe. Et nous avons décidé de rechercher des phénomènes similaires. Nous avons trouvé. La forme du monolithe apparaît sur des bouteilles, des aiguilles de seringues et même sur des coupes-ongles et des pinces à épiler.
Nos équipes ont été prévenues de ces découvertes. Ben, c'est quoi ça?
J'ai peut-être manqué un message, il y avait comme une coupure. Je pense que oui. On dirait que j'ai tapé, j'ai tiré avec. Comme il est pris dans la main. Que j'ai pris une bouteille sans faire exprès. Ça m'est arrivé. Il y a une manière de prendre des bouteilles préalablement, puis je sais pas comment. J'avais trois bouteilles, puis là j'en ai deux. Bon, j'en ai qu'une.
quoi le tuer. Oh mon Dieu! Vite! Vite! Aidez-moi! Vous êtes docteur? Jusqu'à date, c'est pas grand-chose. Par pitié! Du calme, je vais vous sortir de là. Ah, c'est lui qui parlait? C'est un scalpel laser? Un cutter plasma? Oh mon Dieu! Putain! Bordel, lui, qu'est-ce que vous foutez? Comment je fais pour charger? Ah, c'est X. Je sais, on s'est déjà rencontrés. Essayez de rester en un seul morceau. Chouette.
pensais le tuer avec le pot de fleurs, ça marcherait, mais ça marche pas un pot de fleurs. Les patients deviennent agités et agressifs à notre rencontre. Sans doute à cause du nouveau traitement imbibiteur de mémoire. Ils ne se souviennent plus de nous d'un jour à l'autre. Ils ne se lèvent pas que sous la menace. Certains sont si effrayés qu'ils réclament des sédatifs avant chaque interrogatoire. L'officier Kossetis a été mordu 3 fois par le 6. Il ne se souvient jamais pourquoi il a mal à la mâchoire. Ça amène à la même place les deux, je pense. Thank you.
Dana ? Dana ? Ok, c'est bon. J'ai besoin de vous. Répondez ! Jack, on se connaît pas, vous et moi. Mais quoi qu'il en soit, on doit changer. Tideman est votre ennemi, pas moi. Bon, j'ai trouvé un chemin. Bien. Où est-ce que je suis, là ? Comment cette épidémie a pu se déclencher ? Vous êtes sur Titan, une lune de Saturne. Quant à l'épidémie... Merde ! Tideman brûle maintenant ! Veuillez orienter tous les patients se plaignant d'anxiété ou de troubles psychologiques aux hôpitaux de la zone. Nous sommes débordés et commençons à manquer de médicaments entre les récents licenciements et les tensions grandissantes entre les unitologues et le gouvernement. Je pense que le pire était derrière nous, mais ce phénomène est encore différent. Dr. Brian Alper. J'ai pas lu l'information, c'est ma faute. Faut jouer plus vite. Je perds d'énergie, tabarnak. Allez se faire, tabarnak! Ah, je suis con!
Camille. Les statiques, unité tachyon replacée, émetteur dégazé, antenne, la bobine de Roscoe ne fonctionne toujours pas correctement, test de matrice Mosley, annulation de tout autre rendez-vous, durée estimée un jour. Merci de respecter les environnements stériles. C'est comme la... quand ça termine à la fin du 1, on dirait que c'est ça. Monsieur Donovan, c'est le docteur Brooke, je vous l'ai déjà dit, et je le redis, et le redire, je n'aime pas les secrets autour des nouveaux lobos de l'aide psychiatrique. Ça fait 3 ans et nous ne savons toujours rien sur ce qui s'est passé. De telles méthodes n'ont pas leur place dans notre société. Leurs réseaux sont si protégés qu'on ne sait même pas s'ils existent dans le parler des manquements à l'éthique qu'ils peuvent se permettre de commettre toute impunité. Si les choses devaient terminer en l'état, j'en parlerai à Tiedemann.
à Tiedemann et je l'exigerai un rapport sur ses installations terminées. Oxygène délivré, interdit de fumer. Tirer sur l'interrupteur, verrouillage. Et où l'interrupteur, ça? Oui. Un nouvel objet. Cote plasma remis à 9. Bonus dead space remis à 9. Tire. Comment ça coûte ça? Ah, le prix est à gauche. 1000. Et ça, c'est gratuit. Tony ingénieur, minimum garantie de 10 remplacements d'inventaire 5. Bon. Au moins on a un équipement. Podcast. You mon cats. Aha. J'ai bien fait de ne pas me remplir, ça s'est rempli tout seul. Cote plasma remis à 9. Coupeur de roche à haute énergie. Bonus dead space remis à 9. Sais-tu que c'est le même Chris de Gun? Je sais pas, là. Un rayon coupant pour tirer un rayon coupant. Je pense que j'en enlève un, hein? Il n'y en a que ça à rien. Je peux quand même les garder vu. Pour tout de suite. Mmh.
Sortir de l'hôpital, suivre l'itinéraire fourni. Il y a des soldats qui essaient de me tuer ici. On dirait qu'ils veulent effacer toute trace de cet endroit. M'en compris, mais j'en ai vu qui n'étaient pas soldats. Ils doivent travailler pour cette femme, Dana. Ils veulent me sauver. Je vais suivre ces indications pour sortir d'ici. Entrée zone de vide. J'aimerais que tu me tues là, parce que là je viens de comprendre qu'est-ce qu'il faut faire. Allez, tue-moi. Ça va. Ok, ben t'es pas obligé de faire un cinématique qui dure deux jours non plus. Je suis mort. Bon. Faut que je le tire sur les bras. Niaise-toi! C'est que c'est pas le même bouton, ils ont changé le bouton pour tirer, puis je me mêle des fois là. Déjà je me mêlais là. Aussi, c'est que
C'était pas Y. Tabarnak! Cette chose avait la rage. Dana, je sors de l'hôpital. Bon, le tram est derrière les quartiers résidentiels. Attendez, je veux des réponses. Je suis là depuis quand? 3 ans. Steinman vous a récupéré. Hein, tu pensais m'avoir, hein? Et il vous a amené ici. Pourquoi je me souviens de rien? Le monolithe a implémenté un signal répliquant dans votre cerveau. Plus vous êtes conscient, plus le signal s'étend. Jusqu'à votre mort. Il voulait le contenir en inhibant votre mémoire. Vous pouvez arranger ça, hein? Vous devez d'abord me rejoindre. Station de tram. Bougez-vous. Non, est-ce que je vais... Par là? Qu'est-ce qu'il y a par là? Un hélicoptère, là. C'est un hélicoptère? Non, pas rapport. C'est là que j'arrive. On est dû pour une sauvegarde. Ça fait 1 heure qu'on joue. Chante là la chanson. Épisode 2. Message effacé. Bon, on prend mon idée que j'avais dit dans la 1. Le cutter plasma. C'est le même gun. Mais lequel qui est le bon? Ah, Rémi à 9. Ouais. Ah, je peux aller tout droit. Non, c'est pas grave. Je suis en punk 2, je peux avoir deux puissances de plus. Et le module de stage aussi est bon. Il y a ça puis le module de stage que j'améliore. Ah, ça, je peux vendre ça. Inventaire.
phénoménal de stage, c'est que ça permet de... Quand tu le gèles, le monstre, il reste plus longtemps gelé. C'est important, ça. Ça m'a pris la game 1 au complet pour me réaliser ça, là, mais en tout cas. Ça se vend-tu? Ah, les deux se vendent pas. La mise à neuf, ça, c'est lui, je suis en train d'évoluer. Lui, faut pas que je l'évolue. Là, je vais m'en enlever un, là. Alors là, j'ai fait évoluer le... Toi... Déplacé. Décalisse. C'est celui que j'ai évolué, ça. Ouais. Faut que je commence à évoluer les deux, là. Pas de sauvegarde, ça. Il n'y a pas de carte comme avant. Peut-être pas encore, mais... Lance électrique ou lance... À ce temps, t'as pas obligé de sélectionner le gun, t'as pas obligé de viser pour charger. T'appuies un X. Recharger, bon. Donc c'était tout pour l'aventure du jeu Dead Space, live sur la chaîne du Caribou canadien. Oh yeah!